Le soleil vient de se lever, Omicron et le CES sont les nouveautés. Nous on est content de retrouver l'ami GLG. En fait t'es pas Omicron, c'était Delta Micron. Ah bon après voilà, on va pas la refaire non plus hein. J'ai loupé le début, voilà. Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 11 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'Acron, on se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Bon, on se retrouve également le mercredi à 16h pour un live sur Twitch, le samedi à 10h du matin pour un live sur Twitch, et un dimanche sur deux à 16h pour vous faire gagner des cadeaux en live sur Twitch. Si tu n'es pas encore, sache que je suis actuellement en live sur Twitch et qu'actuellement il y a Vinote TV, bonjour, ami du matin, et Wizbot, notre robot modérateur, bienvenue à lui. Allez, on commence l'émission avec une spéciale casse en remerciant nos tipeurs. Je rappelle la seule émission qui fonctionne au café. Vous pouvez nous aider à financer cette émission. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a validé les 100% pour deux émissions par semaine. Pour l'instant, on est à 80% du financement pour une émission par semaine. Tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, voir ton nom dans, clignoter dans la barre de menu ici, et tu participeras ainsi à notre tipeur. Et je rappelle, chaque tipeur reçoit également toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que vous allez sur Tipeee, vous inscrivez pendant tout le mois en cours, vous recevrez toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ce qui peut être intéressant pour les quand on a des codes promo qui sont assez limités. Enfin bon, je ne vais pas trop vous spoiler, mais bon, voilà, un petit peu. Voilà. Ami du soir, ah, t'es où pour être aussi le soir? Au Québec? Au Mexique? Oh, nos amis de Tabarnak là-bas, par exemple. Voilà, dis-nous où tu es. Voilà, ça, c'est, je rappelle, l'émission est diffusée en live sur Twitch, en enregistrement local, et on la diffuse sur YouTube dans la matinée. Voilà. Bon, spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. Si en plus de ça, vous pouvez mettre un petit commentaire, je veux dire, là, c'est le combo royal. 80 en Moselle, matin, 80 en Moselle, en Moselle France, non, ça va quand même, un petit peu. Mais 80, oui, c'est du soir, du matin, pour moi c'est plus très tôt le matin que tard le soir, ça dépend à quelle heure tu rentres de boîte. Voilà, donc spécial les casse également à ceux qui mettent un pouce en l'air, un commentaire, et ça sera tout, et puis on dira que peut-être ça va le faire. Bon, allez, on parle un peu des news du jour. Alors, c'est vrai qu'au niveau des news, on est un peu le cul entre trois chaises. Ben oui, on a fini le 11 novembre, grosse promotion, nana, après il y a eu Noël, bon, petite fête religieuse et tout, voilà, donc on a eu Noël, petit Jésus, tout ça, les petits cadeaux, trucs, bon, voilà, on a eu Noël, donc c'est vrai que Noël est passé, c'est vrai qu'on sait qu'au mois de janvier, c'est un peu plus détendu, puisque tout le monde voulait sortir ses produits avant Noël, pour en vendre un maximum. Ensuite, on a le CES de Las Vegas, donc tous nos journalistes, nos marques et tout, sont toutes parties au CES, enfin, beaucoup sont partis et parvenu encore, ou alors pas parti et resté chez elle et tout. Enfin, pas mal de marques n'ont pas fait de déplacement ou annulé et tout, quoi. Covid, tada, tout ça, Omicron, Delta Micron et tout. Alors, c'est une fake news apparemment. Quoi. Enfin bon, c'est la merde. Si je dis que c'est la merde, c'est une vraie news. Bon, et voilà, donc ils sont tous au CES de Las Vegas et tout, voilà. Donc alors je suis abonné à quelques chaînes et tout, mais il se passe rien. Les seuls qui sont. Voilà quoi. J'ai dit, oh, on a moins de travail. Bah ouais, bah on devrait en voir plus alors. Mais non, on en voit un peu moins et tout. Donc il y a le CES de Las Vegas, donc c'est vrai que c'est assez calme puisque les marques font des annonces, mais seulement au CES, ou alors ils teasent un peu des modèles qui vont arriver et tout. Et ensuite, voilà, ça c'est notre deuxième chaise, et notre troisième chaise, c'est évidemment le jour de l'an chinois, qui sera donc cette année du 29... Enfin, les vacances, le jour de l'an chinois sera début février, on est d'accord, mais les vacances commenceront seulement du 29 janvier au 6 février, ce qui permettront de prendre une vraie semaine de jour de l'an chinois. Donc, bah, il se base à rien, parce que voilà, on a fini Noël, les autres, ils attendent le jour de l'an chinois, et toutes les marques sont au CES de Las Vegas. Bon, bah voilà. Bon, à part quelques trucs qu'on a vu tourner sur toutes les chaînes YouTube, parce qu'on voit quasiment toujours les mêmes choses, hein, le petit robot qui parle, les Tesla en mode Subway qui passe dessous et tout, ah, c'est révolutionnaire. Hein. Bah, il mettait un métro, c'était pareil, pas un point de bagnole. Hein. Mais voilà, après, bon,
C'est voilà, il y a un peu que ça et il faudra s'en contenter. Bon, une news qui est assez intéressante, c'est que bon, vous avez compris, il y a une espèce de nouvelle revanche où les Taïwanais, voilà, les Chinois veulent reprendre Taïwan alors que bon, ça n'a jamais été à eux à la base. Je vous rappelle Mao, truc, là, il a perdu, alors le perdant en mode capitaliste sont partis à Taïwan, protégés par les Américains et le Japon, l'île qui appartient quand même un petit peu au Japon, puisque quand vous allez sur l'île, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dominance japonaise, hein. Il y a beaucoup de quartiers, on se croirait vraiment au Japon et tout, pour avoir fait les deux, on est vraiment à Taïwan, c'est vraiment ça. Et sous protection des Américains et des Japonais, encore une fois. Donc ils sont là-bas en mode capitaliste, c'est le Taïwan dollar, Internet, la liberté, tout. Enfin, la Chine parfaite, quoi, en gros. Ils parlent chinois, ils ont le dollar, ils ont Internet, c'est... Voilà, donc les Chinois veulent reprendre ça, donc il y a quand même une grosse tension géopolitique, un peu avec tout ça, c'est reconnu, pas reconnu. Mais c'est vrai que quand on était en Chine, c'était vraiment China Mainland, c'était vraiment l'île de la Chine. Tu vois, ils l'appelaient vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'ils les toléraient. En même temps, voilà, les perdants ont toujours tort. Hein. Ils ont perdu, on leur a laissé ça, et la Chine, c'est comme ça, tu fermes ta gueule. Bon, on est d'accord. Voilà. Maintenant, Rebolt, voilà. Bon, les Taïwanais qui ont quand même décidé de chercher un peu tout le monde, ont regardé un petit peu dans les téléphones Xiaomi, et apparemment, donc, quand vous faites une requête sur un téléphone Xiaomi, ça envoie bien à un serveur, forcément, et certainement des serveurs qui sont de Xiaomi, et il y aurait pas mal de mots qui seraient filtrés, et de choses qui seraient un petit peu analysées et déportées. Alors, c'est là où se pose un peu en libérateur Taïwan, en disant, bon, bah quand même, il y a pas mal de trucs, comme notamment le Tibet libre, Taïwan libre et tout, pas mal de mots qui sont censurés, et sur lesquels il pourrait ne pas y avoir de requêtes, de résultats, ou des résultats complètement différents et tout. Alors, est-ce que les Xiaomi sont complètement vérolés? Est-ce que le succès de Xiaomi en Chine serait lié au fait que son président, directeur général, milliardaire, soit un petit peu du parti, mais bon, aujourd'hui, pour être un peu milliardaire en Chine, il faut être soit en être, soit être bien copain avec eux. Voilà. On parlera du dernier Alibaba qui a voulu faire le rebelle. Genre, il n'a pas fait le rebelle longtemps, lui. Hein. Voilà, la Chine, c'est la Chine. Hein. Soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Comme dirait notre ancien président. Voilà. Donc, ben, il y aurait pas mal de requêtes qui seraient, et c'est vrai que les Romui sont quand même un petit peu une usine à gaz, et que eux aussi, ils ont bien dû se rendre compte que s'ils n'ont pas la puissance de Google au niveau des moteurs de recherche, pour pouvoir traquer un peu, comme Google, comme Facebook, pour pouvoir traquer vos informations et pouvoir remonter un peu de trucs et en faire un business, ben, ils ont quand même une Romui qui est quand même une espèce de filtre passif où quoi que tu fasses, t'es obligé de passer par leur putain de Rome, et que ben, c'est eux qui gèrent les requêtes, c'est eux qui gèrent un petit peu tout ça, et qu'il y a moyen de récupérer pas mal de trucs, et que c'est une source d'information, et comme aujourd'hui du Xiaomi, il y en a partout sur la planète, c'est une puissance atomique, hein, vraiment. Donc, est-ce que les Xiaomi, les téléphones Xiaomi, leurs ROM sont complètement, je vais pas dire verrouillés, parce qu'elles sont quand même bien sécurisées, mais est-ce qu'ils vous espionnent et ils vous traquent? J'ai envie de vous dire, oui, ça paraît un peu flagrant. Ça paraît un peu flagrant. Est-ce que plus ou moins que Google et Facebook? Ben oui, non, peut-être. Mais enfin bon, vous avez peut-être le cloud. Moi, j'ai un téléphone Xiaomi encore qui me reste. Il y a le cloud MUI. Il y a pas mal de trucs MUI qui sont vraiment dédiés à eux, et à mon avis, qui sont pas moins innocent que les services Google ou Facebook ou toutes les autres choses gratuites qu'on vous promettrait et qui ne le sont pas. Voilà. Donc voilà, bah c'est un peu, ça fera un peu partie de mon titre putaclic. Alors est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, que Xiaomi était vraiment vous espionne, vous traque, ou vous en battez les couilles, de toute façon ça part aux Chinois, ou que ça part aux États-Unis américains, ou que ça, dans tous les cas, de toute façon, voilà, pas vraiment le choix. Voilà. À partir du moment où il y a le prix, c'est toi le produit, voilà. Bon, les deals du jour AliExpress, qu'est-ce qu'on avait ? Hier, il y avait des trucs pas mal, hier, il y avait des haut-parleurs, là, les QCI à 32€, ça c'est pas mal. La montre à l'angle, là, j'ai vu, c'est pas mal de clics. Beaucoup ont craqué, parce qu'à 21€, on a quand même une petite montre automatique qui pas piqué des hannetons, hein, comme dirait notre ami Anissem. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a l'enceinte Anker. Ah, l'enceinte Anker était vraiment bien, hein. Vous avez testé tout, très très dynamique, fonctionne très très bien. Et le petit porte de carte en fibre de carbone, ça c'est les deux produits du jour qui m'a très bien. Les vêtements Teletubbies, ça me boudine, je veux dire, ça, voilà, ça me fait un cul d'éléphant. Donc Bon, Tipeee, on est à 161€, soit 80%. Si vous voulez faire un petit café, bah, à votre bon cœur, monsieur Adam, permettra d'avoir demain un live atomique. Bon, legeek.tv, ma vie, mon œuvre, ma YouTubeographie et les vidéos que je regarde et qui m'intéressent, mais vraiment, les secrets de la couverture du magazine The Economist, ça j'adore, j'aime bien lui comment il fait, il parle, il explique un peu l'analyse, et c'est vrai que bon, bah, les puissants savent un peu ce qui va nous arriver pendant l'année, eux, sont pas voyants, mais un peu quoi. Voilà.
Il y avait aussi révélation des coordonnées où se trouverait un portail galactique. J'aime bien les histoires de. Après, faut en prendre et en laisser. Encore une fois, c'est pas tout faux, mais il doit quand même y avoir un peu de vrai. Voilà, qu'il y a des vaisseaux galactiques, nos frères de l'espace qui viennent nous voir et tout. Ils partent pour une communauté et tout. Alors, après, bon, quand ils commencent à mélanger les trucs nazis là sur l'Antarctique et tout, là, bon, ça va peut-être un petit peu loin, mais bon, après, en même temps, ça se trouve, malheureusement, il y a un petit peu de vrai, c'est quand même atomique, voilà. Je vais être à regarder ça, parce que, voilà, au moins, pour regarder ça comme un truc de SF et de science-fiction, tu te dis, oh putain, les mecs, ils ont quand même soit de l'imagination, ou soit, en fait, c'est tout vrai, et qu'on est quand même, on nous spolie. Spolie, olé. Bon, la batterie extérieure, la vidéo d'hier, évidemment, les routes de l'impossible, ça, c'est mon nouveau rendez-vous préféré. Il y a une vidéo très bien de Joli Couvreur, il y en a qui suivent un peu sa chaîne et tout, réincarnation, âme et karma. Ah, moi je suis à fond dans l'ésotérique en ce moment, donc du coup c'est très très intéressant. Elle explique un peu l'âme, le karma, ce qu'en pensaient les philosophes et tout. Super intéressant. Encore une fois, on en prend. Moi je vous dis, regardez tout ça comme un divertissement. Soit vous dites, ah oh, non, soit vous dites, ah oh, pourquoi pas. Il faut rester ouvert un petit peu à tout. Hein. À 4 ans, je leur ai dit qu'il y a un virus mortel qui allait arriver sur la planète et que toute la planète allait se retrouver en quarantaine, moi j'ai dit, GLG, faut arrêter le cannabis même hanté, hein. Voilà, j'ai dit, voilà, il y a des choses qui arrivent, hein. Comme quoi, des trucs qu'on n'aurait pas cru possible qui peuvent arriver. Le top 10 du rap et tout, voilà, je vous retrouve toutes mes vidéos. Le site s'appelle legeek.tv, j'essaie de poster tous les jours, voilà, de reprendre un petit peu le rythme. Bon, je vous rappelle, le samedi, on fait le déballage, ou surtout la présentation de tous les produits que j'ai reçus. Donc on a parlé du Hub Orico, des produits comme ça. Samedi, on le refera encore une fois avec les produits que j'ai reçus cette semaine. Pour l'instant, j'ai reçu 2 ou 3 produits plutôt sympathiques en plus, hein. Voilà, on en parlera peut-être dans les reviews à venir. Hier, il y avait donc le test de la batterie Veger Ace 100, une batterie que je vous ai présentée dans un des samedis où on fait les déballages. Une batterie externe. Alors beaucoup me disent, oui, 30 balles pour un chargeur, c'est les prix. Alors attention, c'est pas uniquement un chargeur mural, c'est un chargeur mural qui intègre une batterie intégrée de 10 000 mAh. Donc c'est une batterie externe et un chargeur mural. C'est soit un chargeur mural qui intègre une batterie externe, c'est-à-dire quand tu l'enlèves du mur, il y a quand même une batterie dedans, soit une batterie externe qui, pour la recharger, intègre un chargeur mural. Tout ça de 20 watts et tout. La vidéo a plutôt bien marché puisque c'est le genre de produit qui, je sais pas, j'étais sûr, hein, tout le monde a rien, je connais déjà, il y en a déjà, c'est connu, ah ben non, là, du coup là non, j'ai pas eu de, je connais, franchement, voilà, non, c'est vraiment un truc que, voilà, apparemment, je sais pas, c'est peut-être pas encore commercialisé sous d'autres marques et tout, c'est peut-être les premiers. Mais le produit est très sympa et tout. Voilà, donc je leur ai envoyé la vidéo hier, ils étaient assez contents et tout. Encore une fois, le but c'est de faire connaître le produit. Je vais la relancer aujourd'hui en disant, hey, vous savez qu'on fait un giveaway tous les dimanches sur deux et qu'on fait gagner des cadeaux à nos abonnés. Par exemple, on a déjà une caméra IP validée, peut-être qu'on pourrait gratter une batterie externe avec Veger pour vous faire gagner ce dimanche. Par exemple, si tu es inscrit sur Twitch, bien évidemment, et que tu me follow, tout ça c'est gratuit, tu participeras au live gratuitement, tu pourras gagner des cadeaux gratuitement. C'est les marques qui te les envoient, c'est même pas moi qui paye, c'est même pas moi qui régale. Enfin, un petit peu, je fais l'entremetteur, mais voilà. On travaille avec les marques et après on leur demande s'ils veulent bien envoyer des cadeaux à nos followers sur Twitch. Le lien est dans la description, par exemple. Bon, les magouilles, la vie, mon œuvre et mes coups. Non, pas mes houilles, mais non, mes genouilles, bon bien, ça va, tout, je cours plus trop, là je fais du rameur, voilà. Bon, j'ai essayé de poster des articles, j'ai pas eu trop le temps cette semaine, j'ai pas eu trop le temps et le courage, je sais pas trop quoi poster, puis après à chaque fois je me trouve des excuses, donc je vais m'y remettre aujourd'hui, je vous parlerai de cette nouvelle montre, dont on parlera tout à l'heure dans les reviews à venir. La vidéo de vendredi, ce sera donc le Ulefone Armor X10, dont tout ça dépendra carrément du prix qu'elle va me donner. Ça me donne un prix qui est apparemment annoncé, c'est-à-dire 129$ moins 20$, 109$, et là, ouais. Après, au-delà de ça, bon, même s'il a des petites caméras Samsung à l'arrière qui font des photos et des vidéos pas dégueu, ça reste un téléphone avec un Helio A22. Ça fait quand même 100 000 sur en tout, hein, quand même, malgré tout. Et 4 plus 32, plus... Il y a pas mal de trucs qui sont bien, mais bon, ça reste un téléphone vraiment pas cher, résistant, anti-choc, qui peut filmer les poissons. Parce que j'ai filmé les poissons. Je sais pas si c'est bien, j'ai pas encore regardé les roches, mais j'ai mis dans l'eau, et je l'ai, voilà, il a survécu.
Voilà. La semaine prochaine, il y aura donc le casque One Audio Monitor 80 que je vous ai présenté samedi. J'ai reçu la batterie Novoo, une espèce de grosse batterie comme ça, pas très très lourde, apparemment c'est du lithium dedans. Une espèce de grosse batterie avec un onduleur, des LED, possibilité de recharger en solaire et tout, toi. C'est un espèce de petit pack que tu peux mettre dans ta bagnole et que tu peux partir en vacances et donc du coup tu as une espèce de grosse batterie externe pour charger tes téléphones et tout. Enfin voilà, une prise de 120 et elle fait 250 ou 300 watts, je crois, hein. Plus de 300 watts, je crois, hein. Un truc comme ça. Donc, c'est pas mal, 300 watts, ça suffirait, parce que je crois que mon onduleur ici, c'est ce qu'il fait, et quand on est en panne d'électricité, ça suffit. Donc, ça suffit. Ça suffit, hein, nom de Dieu. Voilà. Bon, donc, on fera ça aussi la semaine prochaine. Montre chinoise. Montre chinoise. Alors, j'ai reçu la troisième montre, parce que j'ai reçu la deuxième, mais j'ai oublié de vous en parler, je l'ai mis là-bas directement et tout. Voilà. Donc, ils font partie de la gamme Sigul. Je vous rappelle, j'ai reçu la première Sigul pour mon Noël et tout. Donc là, c'est une très très bien avec réserve de marche d'origine Sigul. Là, c'est une montre hommage. Vous avez vu peut-être les photos sur Instagram, c'est une montre hommage, la 1963, c'est-à-dire que la première montre faite pour l'aviation chinoise, par les chinois, avec du Sigul dedans et tout, donc ils reprennent le mécanisme, mais l'extérieur, c'est pas du vrai, donc ce qui fait que la montre est quand même bien moins chère, c'est pas une montre de collection, hein, pour le coup, mais c'est une montre quand même bien moins chère, peut suffire, et la troisième, qui est une Baignard, voilà, donc Baignard qui a pris une montre et qui a pris un des mécanismes Sigul, pas cher, mais automatique, ce qui permettra pour le mois prochain, parce que ce mois-ci, je suis bouclé, de vous faire une vidéo avec trois montres avec mécanisme Sigul à 50, 100 et 200 euros. Enfin, toujours un peu en dessous de ça, mais ça permettra d'avoir trois montres. À savoir que celle-là et l'autre ont quand même la réserve de marche. C'est-à-dire qu'il y a, comme elle est automatique, il y a une petite aiguille qui te dit si elle est bien chargée ou si elle n'est pas chargée. Voilà, ça, sinon tu la secoues, voilà, voilà comme ça, et tu la recharges automatiquement. Donc pour ce mois-ci, du coup, comme il n'y aura pas de la Sigul, il y aura peut-être les deux Pagani qui me restent. Des montres hommage à fond les ballons et là l'autre aussi montre hommage en mode Patek Philippe Nautilus, donc ça ferait deux Pagani et une autre avec trois montres qui sont à moins de 100 balles chacune avec du Miyota ou du Seiko dedans et en mode hommage Rolex, Patek Philippe, tout ça quoi, voilà, mais avec leur logo dessus, donc ce n'est pas de la contrefaction. Le W20, elle m'a confirmé qu'elle allait me l'envoyer, après quand je vais dire près de 3 en passant par 3, non mais je sais pas, après elle a dit va me l'envoyer, c'est comme on devait le Nubia Red Magic aussi, on doit l'avoir au mois de janvier, tant que rien n'est parti bien sûr. Bon, ça c'est pour le Armor X10, pas mal. Ça c'est pour Twitch, vous êtes actuellement 227 followers, ça fait plutôt plaisir, tous les jours on prend un ou deux nouveaux followers. Encore une fois, je pense que d'ici vendredi, comme on aura les cadeaux, je ferai un petit teaser, je pense, dans l'émission peut-être de vendredi, et je vous dirai ce que vous pouvez gagner dimanche dans le live, puisque là c'est ce dimanche là hein, tous les 100 followers ou un dimanche sur deux. Donc comme là on n'a pas fait les 300, ça sera ce dimanche là il y aura une caméra IP à gagner, un chèque cadeau Amazon de 10 euros, et le troisième cadeau, bah, je vais voir, j'aimerais préférer la batterie que les lunettes, mais je vais voir. Comme ça, je garde un peu de stock et il y en aura pour celui dans 15 jours, par exemple. Bon, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. On parlera bien de cette montre hommage, que c'est du Sigul dedans, mais c'est pas une montre Sigul, encore une fois. Hein. Mais elle reprend un peu le look vintage jaune, à savoir que dans la boîte, j'ai regardé après, il y avait le bracelet NATO qui était au fond, et je la préfère moi avec le bracelet NATO, hein, c'est-à-dire un bracelet en espèce de tissu fibre entrelacé, quoi, tu vois, que le bracelet cuir. Le bracelet cuir était pas mal, mais la montre est pas excessivement chère, hein. Elle fait moins de 100 balles, donc on se doute, ça leur peut être un bracelet cuir à 100 balles, on est d'accord. Heure, minute, seconde, la trotteuse en bas, la date, heure, minute, seconde, date et réserve de marche, c'est je l'adore. J'adore à 80 et quelques euros là. Oh là là là. Ce sera peut-être le coup de l'article du jour sur JT, sur les magouilles, où bah voilà, avec je préfère avec le bracelet de NATO. Ça fait vraiment montre vintage neuve et c'est très très chinois. Là, encore une fois, c'est de l'aviation japonaise de 1963. Voilà, des marques chinoises qui fait des montres pour les Chinois et tout. C'est une grosse marque, hein. Je suis assez content parce que là. Le mois prochain, il y aura quand même trois montres avec du Sigul Inside. Alors, tout doucement, ça se fait. Bon, après, Instagram, le café de samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Samedi, je crois, samedi. Il y avait du thé au cannabis. Alors, c'est l'autre, hein, c'est celui qui est pas. Qui fait pas délirer, tu vois, qui ne faut pas fumer. Mais j'ai vu qu'en France, c'était interdit. Mais ils ont interdit tout. Hein, ils sont furieux. Voilà. Le vin Mistinguette, le café Real Kick. Voilà. Et ben, je vous mets des trucs un peu rigolos. Voilà, vous pouvez me suivre. Mon pseudo, c'est Instagram. Mon pseudo Instagram, c'est Greg Le Geek.
Et le cannabis, il arrive. Je l'ai commandé par la poste. J'ai pas acheté celui-là parce que c'était 500 bahts, 15 euros la petite boîte. Là, je trouvais qu'elle abusait un petit peu. J'en ai trouvé en sachet. Là, on verra. Peut-être que ça fera des émissions encore plus rigolotes. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, hein, sur directement soit sur SoundCloud. Si vous avez un truc de flux podcast sur votre smartphone, vous pouvez également, par exemple, moi j'ai Podcast Addict, Podcast Addict. Je mets le flux dedans. Vous pouvez également écouter sur Spotify, sur Apple Podcast et Amazon Podcast depuis peu. Voilà, si vous préférez écouter l'émission plutôt que la regarder. Ou si vous préférez les deux, vous pouvez. Bon, film et série télé, bah rien, hein, comme Noël, CES et chinois. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Non, j'ai rien de bien. J'ai fini pâtissier et mécanique, là. Pâtissier et ingénieur. J'ai fini pâtissier et ingénieur. C'est nul. Il y en a vraiment des ingénieurs, ils sont ingénieurs en branlette. Hein. Je veux dire, mais mec, t'es ingénieur. Ingénieur en quoi? C'est ingénieur dans son garage, ouais. Et bricoleur. Il s'est acheté un diplôme sur Internet. C'est pas possible. C'est pas possible que le mec ait si peu de notions de tout. Après, on peut pas tout savoir, on est d'accord. Mais quand même, il y a des trucs, il y a quand même là, c'est un peu abusé. Mais en même temps, c'est du spectacle. Donc j'ai fini ça sur Netflix, mais je vous en parle même pas parce que c'est nul. Bah, c'était pas trop mal jusqu'à la... Mais bon, les voix françaises sont horribles. Enfin bon, voilà. Donc je vous en parle pas. Ah, mais tu viens d'en parler. Ah, bah oui, je sais. Il est trop fort. Bon, j'avance tout doucement sur Vincenzo Canano. C'est une série Netflix. Alors, 20 épisodes de 1h20. C'est une longue série, hein. C'est vraiment série à la coréenne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu longué. Là, quand même, tu te dis quand même 20 épisodes de 1h20, t'en vois pas le bout, quoi. Parce qu'à la base, il y a une histoire. Et tu te dis, ah, ils veulent arriver à ça, mais comment ils vont faire pour tenir quasiment 30 heures? C'est pas mal. Il y a des rebondissements, c'est très très fait à la coréenne et tout. Donc. Lui, il vient d'Italie, donc il vient de travailler pour la mafia, il est assez badass, puis en même temps, bon, là, c'est en Corée, c'est assez loufoque et tout, mais ça se regarde bien, c'est gentil, hein. Et oui, des fois, j'éclate de rire, parce que, voilà, il y a vraiment des situations, des fois, qui me font éclater de rire et tout, et c'est pas mal, en fait, je prends un bon moment et tout, après, je pense qu'il faut rien en attendre de cette série-là, et la regarder un peu comme ça, c'est bien, c'est pas mal, la relation, voilà, il y a toujours plein d'histoires, à chaque fois, des rebondissements et tout, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris qui peut vous plaire. Par exemple, hein, vous pouvez déjà essayer, hein, commencer, premier épisode. Soit t'accroches, soit t'accroches pas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, combien vous étiez sur 3? Bon, vous étiez un peu tôt le matin. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle, on se retrouve demain en live sur Twitch à 16h, France, bien évidemment. Demain, le sujet du live, ce sera, accrochez-vous bien, ces youtubeurs qui arnaquent les marques. J'ai tellement de retours de toutes les marques que je me suis dit, il faut qu'on fasse un live. Donc demain, le sujet du live, demain, je ferai un article certainement sur JT Geek, ça sera ces youtubeurs qui arnaquent les marques. On en avait déjà un petit peu évoqué, on en parlera peut-être plus longuement. Encore une fois, on ne citera personne, vous n'aurez rien de moi. Même si j'aurais envie, hein. Vous n'aurez rien de moi. Voilà, on parlera de ça, de cette nouvelle tendance qui est en train de s'imposer. Pourquoi, comment, les marques et tout ça. Parce que j'ai trop de qui m'écrivent là pour que ça passe un petit peu à travers. Voilà, donc on parlera de ça gentiment. Tu permettras d'évoquer un sujet. Voilà, donc ces youtubeurs qui arnaquent les marques, ça sera demain uniquement sur Twitch à 16h. Je vous rappelle, tu t'inscris sur Twitch, c'est gratuit. Tu me follow sur Twitch, c'est gratuit. Tu veux participer au live demain à 16h? C'est gratuit. Et tu veux éventuellement regarder cette émission, tu dis ah, ça a l'air vraiment bien ton histoire là, mais je peux le regarder en replay. Bien évidemment, tu t'inscris et tu follow, et comme ça, bah, si tu arrives, par exemple, tu veux la regarder demain, mercredi, tu auras 6 jours pour la regarder. Donc tu auras mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Tu auras quasiment toute la semaine jusqu'au week-end pour regarder cette émission. Ça sera en live. Encore une fois, le but, c'est de partir d'un sujet, de lire vos commentaires, de réagir, et puis de rigoler un truc et de passer un bon petit moment. Voilà, allez, je donne rendez-vous demain à partir de 16h sur Twitch. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Allez, moi forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, 16h sur Twitch. Allez, demain, bye bye.